Bienvenue dans Manager l'Odyssée, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager sur Be Smart for Change. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Selma Chauvin, directrice marketing de SkillUp, une plateforme qui permet, entre autres, aux entreprises de simplifier les processus RH comme les entretiens, la formation et l'évaluation des performances. Selma Chauvin est manager, mais elle a aussi été manager de managers. Elle dirige aujourd'hui une équipe de 6 personnes au sein d'une start-up après avoir supervisé un département de 70 personnes. Comment encadre-t-on des responsables? Quelles compétences cultiver? Comment éviter les pièges? Et puis aussi, comment passe-t-on d'une culture d'entreprise à celle d'une start-up? Selma Chauvin nous raconte. Bonjour Selma. Bonjour. Bienvenue dans Manager l'Odyssée. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Pour commencer, Selma, vous êtes une gameuse. Autrement dit, vous jouez aux jeux vidéo. C'est quoi votre jeu préféré? Alors, c'était World of Warcraft à l'époque. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est assez costaud, combat, oui. Stratégie, oui. Équipe. Et surtout grosse équipe. C'était les premiers jeux où on jouait vraiment avec une équipe de personnes, de vraies personnes, et on allait ensemble se défendre ou alors attaquer des très gros monstres. Donc on joue en réseau. Exactement. Avec des personnes qu'on ne connaît pas. Exactement. Et on a des postes d'attribués qui ressembleraient à du management ou... En fait, c'est comme une entreprise. Et c'est d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais une très bonne école pour devenir manager, puisqu'on se retrouve à gérer des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a rien en commun, à part la passion d'un jeu, et qui vont avoir des capacités différentes. Il va falloir placer la bonne personne au bon endroit pour bénéficier à l'ensemble du groupe, tout en s'assurant que les personnes restent engagées par le projet du groupe et ne se barrent pas dans l'équipe d'à côté. Et ça, c'est quelque chose que vous mettez à profit aujourd'hui? C'est des compétences que vous avez su développer grâce au jeu? Alors, pour être honnête, c'est comme ça que j'ai décroché mon premier vrai poste de management, en expliquant tout ce que j'avais mis en place, puisque je me suis rendu compte que gérer une équipe dans un jeu vidéo, c'est la même chose que gérer une équipe qui est dysfonctionnelle dans la vraie vie. On a besoin des mêmes compétences. On a besoin des compétences de gestion des carrières. On a besoin de compétences de gestion de la rémunération. Comment on explique qu'on va être rémunéré plus ou moins que le voisin? On fait de la gestion des temps aussi. Comment on explique qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas jouer et pas ton voisin? On a aussi la gestion des conflits en interne entre les différents départements qui chacun veulent avoir plus d'attention que l'autre. On a aussi toute une politique de marque employeur. Comment faire en sorte que son entreprise, donc à l'époque ça s'appelait des guildes, ait plus d'aura que la guilde d'à côté, nous permettre d'attirer et de conserver les meilleurs talents. En fait, c'est des vraies problématiques de manager d'aujourd'hui. Mais donc dites-moi en plus sur la façon dont vous en êtes servi pour accéder à un poste. Alors, donc, quand je suis arrivée, c'est dans mon entreprise précédente, donc c'est la première fois que je gérais une grosse équipe dans un contexte international. Et en fait, l'équipe avait énormément de soucis d'interaction. Donc, pour vous faire très simple, des conflits entre les personnes en interne. Il y avait des conflits en termes de rémunération qui étaient très inégales d'une personne à une autre. Il y avait des conflits aussi autour de la gestion des temps, donc des personnes qui devaient venir au bureau, d'autres qui pouvaient télétravailler. Il n'y avait pas de cohérence là-dedans. Et il y avait aussi un gros déficit de reconnaissance de l'équipe au sein de l'organisation. Donc, pour chacun de ces éléments, j'ai pu mettre en face quelque chose que j'avais fait dans un jeu. Pour la gestion des temps, c'était comment on explique à quelqu'un que toi, tu as le droit aujourd'hui de venir jouer, alors que ton copain, lui, ne jouera que demain. En expliquant que même si la rencontre d'aujourd'hui est plus intéressante, peut donner plus d'argent, plus ce qu'on appelle les loots en jeu vidéo, donc le butin que va nous donner le monstre si on réussit à le tuer. Comment expliquer que ton voisin y a droit et pas toi, ça demande énormément de diplomatie, énormément de discussion et surtout beaucoup de confiance. Donc ça m'a permis d'expliquer pourquoi je sais gérer cette situation dans un jeu vidéo, je saurais la gérer dans la vraie vie. Mais vous saviez que vous alliez à cette interview, à cet entretien, avec cet argumentaire-là, vous le saviez, oui. Ou c'est venu spontanément? Alors, j'y suis allée avec cet argumentaire parce qu'en fait, je n'avais rien d'autre. Et le poste était vraiment un gros gap par rapport à mon poste d'avant où je ne gérais personne ou une à deux personnes en alternant ou autre. Et en fait, il faut savoir que prendre son premier poste de management, c'est peut-être la chose la plus difficile qu'on peut faire en tant que personne qui est single contributeur, donc vraiment contributeur individuel, donc sans management. Expliquer qu'on est prêt pour cette étape-là, beaucoup de personnes rêvent de le faire et très peu y arrivent dans la vraie vie. Parce que tout simplement, sur 8 sur 10 personnes, il y a un seul élu. Et eux, ça les a convaincus. Ça les a convaincus. Et aujourd'hui, comment ça se traduit? Je ne sais pas. Comment ça se traduit aujourd'hui dans votre style de management?
Je pense que ça m'a donné un management qui est plus humain, puisqu'en fait, je suis arrivée au management, non parce que j'étais excellente dans mon domaine et que j'ai évolué vers un poste de management, mais parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment comment faire en sorte que les personnes évoluent pour que ça serve le groupe. Dans un jeu vidéo, on a besoin que chacun ait un rôle extrêmement défini. Il y a des gens qui sont là pour faire du dégât, donc ils doivent taper très très fort. Il y a des gens qui sont là pour soigner, il y a des gens qui sont là pour se prendre les coups, pour faire très simple. Donc ce n'est pas du tout les mêmes capacités qu'on va demander. Et en fait, pour faire évoluer quelqu'un dans son métier ou pour le faire évoluer vers un autre métier, ça demande beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour de l'évolution de la personne. Et c'est des compétences qui font aimer le management sous un autre prisme que tu vas être juste excellent dans ton domaine. Et c'est le jeu vidéo qui vous a donné envie d'être manager. Oui, littéralement. Complètement. Aujourd'hui, vous gérez combien de personnes? Donc aujourd'hui, j'en gère 6. Et vous gérez une grande équipe de 70 collaborateurs, tout à fait. Dont des managers. Oui. Quelle différence en termes de management? Une différence énorme qui est que les collaborateurs, donc les personnes qui ont un travail productif à fournir, ne connaissent pas toutes les subtilités que les managers connaissent. Donc manager un manager revient à manager quelqu'un qui connaît et à qui on a appris la même chose que ce qu'on nous a appris en termes de management, comment faire un feedback, comment t'expliquer que tu n'auras pas l'augmentation que tu veux cette année. On ne peut pas utiliser les ficelles qu'on utilise avec les collaborateurs puisqu'ils les connaissent. Donc c'est plutôt de travailler à l'inverse et de s'en faire des alliés. C'est comment ensemble on va travailler à faire en sorte que ton sous-département se développe et soit très bien. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est plus direct dans la méthode? Oui, en fait, c'est beaucoup plus simple puisque, encore une fois, on connaît. Un exemple tout bête, si on veut parler de rémunération, un collaborateur qu'on ne peut pas augmenter, on va lui expliquer par différents facteurs. La croissance de l'entreprise, on va lui expliquer peut-être par rapport à ses performances, par rapport à la façon dont on le projette, par rapport à sa durée de vie dans l'entreprise jusque-là. Un manager de manager, on ne peut pas avoir ce discours parce que lui connaît les chiffres de l'entreprise, il sait si elle est en croissance ou non. Il connaît les salaires de son équipe, donc il sait quelle est la différence entre son salaire et le salaire des personnes de son équipe. Donc lui, il faut y aller de façon très honnête, lui dire « je ne peux pas parce que on a un blocage des salaires pour encore 3 mois, je sais que c'est embêtant, mais l'entreprise le veut ». En fait, le manager représente l'entreprise, donc on ne s'adresse pas à lui comme un collab, mais pas comme à quelqu'un qui a aussi à cœur que nous les intérêts de l'entreprise. Et comment faire attention à la crédibilité d'un manager qu'on manage face à ses collaborateurs? Alors, c'est difficile. Il faut savoir en plus qu'on va avoir différents types de managers. Il y a les managers qui vont venir du terrain, donc quelqu'un qui était collègue avec ses collègues et qui d'un coup devient leur boss. Peut-être la chose la plus difficile, puisqu'un manager, lorsque c'est la phrase typique en entretien d'embauche pour quelqu'un qu'on veut faire monter, la première chose qu'il va dire, c'est pas grave si je suis leur chef, on réglera ça autour d'une bière. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. On ne peut pas être ami avec les personnes qu'on manage. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que cette relation sera toujours biaisée par ce rapport hiérarchique. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ça continue même dans la vie après. C'est pas parce qu'on quitte l'entreprise que cette relation hiérarchique de confiance, de conseil, de « je vais demander ton avis parce que tu es un sachant qui sait un peu plus que moi », ça ne disparaît pas, cette relation. Donc il faut faire le deuil de cette relation d'égal à égal. Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris sur le tas ou que vous êtes conditionné d'emblée? Alors sur le tas, en soirée. En fait, il s'est avéré que dans mon entreprise précédente, on faisait des pots avec tout le monde tous les jeudis soirs, très start-up style. On aimait beaucoup, sauf qu'à partir de 20h, les gens étant alcoolisés, les gens commencent à nous parler comme à leurs collègues lambda pour aborder tout et n'importe quoi comme sujet. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est obligé de mettre une barrière. Et que cette relation peut être amicale... Et pourquoi c'est important de mettre cette barrière? C'est quoi le risque, in fine? On en revient à la crédibilité. Si on est sur un mode très copain, quelle crédibilité je vais avoir le jour où j'ai un reproche à formuler? Ça va être beaucoup plus faible. Le manager, j'aimerais qu'on passe à du 100% concret, parce que ici c'est du pratique, du concret. Un manager que vous managez a un problème avec un membre de son équipe. Comment est-ce que vous vous positionnez? Ce qu'on a envie de faire et qu'il ne faut surtout pas faire, c'est aller vraiment régler le problème avec le collaborateur. Je vais donner un vrai exemple. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une personne de l'équipe qui ne comprenait absolument pas son manager et qui est venue se plaindre à moi en direct du comportement de son manager. Tout simplement parce qu'on avait une bonne relation de soirée après 20h. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que ce n'était pas une bonne idée. Elle est venue se plaindre à moi. J'avais très envie de régler son problème, d'aller dire « t'inquiète pas, je vais voir avec ton manager ». C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut lui dire, c'est « va voir ton manager toi-même, moi je ne lui en parle pas pour l'instant, explique-lui ton problème et lorsqu'il viendra m'en parler, je l'aiderai à résoudre ton souci. » Exactement. Mais je ne réglerai jamais ton problème en direct. Moi, mon interlocuteur, c'est ton manager. Il y a une hiérarchie qui est très claire. Tu vois avec lui, je vois avec lui.
La seule fois où un bypass est autorisé, c'est lorsqu'il y a un problème vraiment très important, comme du harcèlement, par exemple. Et là, en effet, bien sûr qu'il faut griller les étapes, bien sûr qu'il faut alerter les RH et le manager du manager. Mais pour tout ce qui est souci du quotidien, on ne bypasse pas. Et quels soft skills sont clés Pour être manager de manager? pour être manager de manager? Alors, j'ai envie de dire, quand on est manager, on règle les problèmes du quotidien. Donc, on va avoir des soft skills qui sont tournés vers la résolution de problèmes opérationnels. Donc, être un peu comme une boîte à outils, être une oreille attentive et compatissante. Un manager de manager devient l'incarnation de son équipe auprès des autres équipes. Il va avoir un rôle double qui va demander donc des soft skills assez particuliers. Le premier, cette capacité à embarquer tout le monde avec lui. Parce que c'est un patron de département, donc ce qu'on va lui demander, c'est d'insuffler de l'énergie, de la bonne volonté, de dire que c'est génial, on va y arriver, etc. Même si on le croit, on ne le croit pas, ce n'est pas un rôle. Le deuxième soft skill qui va être très important, cette capacité à prendre des coups. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on incarne l'équipe, des gens vont forcément venir se plaindre des membres de l'équipe. Et le but du jeu est de faire bouclier, de façon à ce que le business puisse continuer as usual au sein de l'équipe. Donc, c'est être capable de dire, oui, je sais que là, on a merdé. J'en ai totalement conscience, on n'a pas été bon, on peut être meilleur. Merci d'être venu me le dire, on va faire mieux, je prends en compte ce que tu me dis. Alors que le message qu'on va passer en interne, c'est oui, je sais, c'est un peu abusé ce qu'il demande, mais on va faire plaisir, on va le faire. Et vous parliez de l'écoute, et justement, j'ai lu que vous étiez une bonne oreille pour vos collaborateurs. Dites-moi plus. Alors, oui, ma vraie passion, c'est de permettre aux gens de grandir. En fait, j'adore être inutile. Je pense que le meilleur manager, c'est le manager qui sont inutiles pour l'opérationnel, ce qui lui permet d'arriver uniquement lorsqu'il y a des problèmes à résoudre et de focus son attention sur ce qui va permettre au département d'évoluer, à l'entreprise d'évoluer correctement et pas à résoudre les problèmes du quotidien. Donc pour ce faire, il faut écouter les collaborateurs, les faire grandir et les rendre le plus autonomes possible. Donc ce que j'adore faire, c'est vraiment écouter les problèmes et ne pas les résoudre. Et ça, c'est aussi un gros écueil du manager. On nous apporte un problème, on a très envie de Comment résoudre. ça se passe concrètement? Concrètement, un collaborateur va dire, j'ai un problème avec la base de données, il faut que je crée une adresse email supplémentaire. J'arriverai en disant, bah oui, je vais créer ton adresse email, je vais le faire, ou je vais contacter un tel qui est capable de le créer et qui va revenir vers toi. Ce qu'il faut faire, c'est dire, oui, ok, tu as un problème, comment comptes-tu le résoudre? Tu comptes le résoudre comme ça? Ok, qui faut-il que tu contactes? D'accord, bah vas-y. Et si tu es bloqué, seulement là, j'interviendrai. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite évoluer vers un poste de manager, Il faut tout oublier. En fait, on voit souvent un énorme gap entre le contributeur individuel et le manager. On y met beaucoup de temps et d'efforts. Par contre, on part du principe que si on sait manager des collabs, on sait manager des managers. Sauf que c'est encore une fois un tout autre métier et on oublie toujours de se former. Donc la première chose que j'aurais à dire, c'est de se créer une communauté de personnes qui sont dans ce même rôle, tout simplement parce qu'on est seul. Quand on commence à évoluer dans l'organisation, il y a de moins en moins de personnes qui font la même chose. Donc, on se retrouve très seul avec ses problèmes. Et encore une fois, c'est souvent des très gros problèmes. Donc, communauté de pairs, première chose. Se faire des alliés au sein de l'entreprise, deuxième gros sujet. Et le troisième, c'est d'apprendre ce métier, qui est un métier qui devient stratégique. On n'est plus là pour gérer de l'opérationnel et s'assurer que le business se déroule bien. On est là pour prévoir ce que le business va être dans 2 à 3 ans. Et quelle est la meilleure façon d'apprendre justement? C'est sur le tard, c'est de la théorie, c'est un mélange des deux, c'est des rencontres. De parler à des gens. De parler à des gens. Oui, si j'ai vraiment un conseil à donner à tout le monde, c'est parler à des gens. Il y a toujours une petite pépite à aller attraper. Il y a forcément quelqu'un qui a vécu la même chose que vous avant. Il y a forcément quelqu'un à qui vous pourrez poser la bonne question. Utilisez les gens de votre entourage. Et Et si vous, vous qui n'avez ont pas de été vos raison, allez-y. mentors? Alors, j'en ai eu plusieurs. J'ai des mentors, on va dire, stratégie d'entreprise, carrière, etc., qui sont en général mes managers précédents, avec qui j'ai gardé contact et qui continuent à m'aider à évoluer dans ma vie. Ensuite, j'ai ma communauté de pairs, qui eux sont des personnes qui ont le même rôle que moi, mais qui ont peut-être vu des situations que je n'ai pas encore vues. Et j'ai aussi, étonnamment, des personnes que j'ai managées, qui maintenant sont parties voler de leurs propres ailes, et à qui je vais parfois poser des questions pour savoir mon style de management là, est-ce qu'il t'a embêté, qu'est-ce que j'ai D'accord. mal fait, de façon à m'améliorer pour ceux Donc qui on arrivent est toujours dans après. l'écoute en fait, Oui. l'écoute active. Et ça s'apprend l'écoute? Je pense que ça s'apprend. Et je pense que c'est peut-être très, très difficile à apprendre pour un manager. Parce qu'encore une fois, on est promu parce qu'on est censé être le sachant. Oui. Et en fait, non, il faut apprendre à être la Et personne puis qui tout le sait monde n'est pas écouter. naturellement disposé à écouter, il faut le dire. Non. C'était peut-être aussi une de vos grandes qualités. Vous avez pu explorer les différences entre la culture start-up et celle des grandes entreprises dont vous venez. Quelle différence majeure voyez-vous? J'ai envie de dire, dans un grand groupe, la qualité principale chez un manager, c'est la politique. C'est horrible à dire, mais en fait, ce qu'on va demander, c'est de travailler correctement avec les nombreuses entités avec lesquelles on est interdépendant. La diplomatie.
Oui, et pas uniquement. C'est ça qui est difficile, c'est être diplomate, mais aussi créer en fait une persona, créer vraiment un personnage qui va incarner le département, qui va montrer que le département est fort et puissant, a besoin d'avoir les bonnes ressources, de la bonne façon, et être capable de faire porter sa voix et sa volonté auprès des autres départements. Donc un subtil mélange de diplomatie et d'assertivité. Et comment vous avez adapté votre style de management en passant d'une grosse structure à une petite structure? Alors, l'avantage, c'est que j'ai toujours pris la politique comme un jeu. En me disant, on va essayer de gagner. Je viens du jeu vidéo, donc on va gagner des points, on va ensemble, on va gagner quelque chose. Et en fait, ça embarque beaucoup les équipes d'ailleurs. Et quand on arrive dans une start-up, cette dimension politique est totalement absente. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu y retourner. C'est à force de faire de la politique, on ne se confronte plus à la réalité du terrain. Parce qu'en fait, on est tellement occupé à souhaiter des alliés internes ou des ennemis internes à combattre. Oui, on revient dans le jeu vidéo, qu'on n'a pas le temps de se pencher sur le marché, les concurrents, qui sont en fait les vrais ennemis, enfin les vraies batailles à mener. Oui, Et dans une start-up, en sur papier fait, en tout cas, les vrais enjeux pour l'entreprise. exactement. Donc cette énergie qu'on dépense dans l'interne quand on est dans un grand groupe revient tout d'un coup vers l'externe quand on est dans une petite structure. Et ce qui est difficile, c'est ça, c'est de reprendre l'habitude d'aller voir les clients, d'aller voir les partenaires, de se renseigner sur ce On qui est se passe plus sur le dans marché. l'opérationnel. Oui, aussi. Aussi, puisqu'encore une fois, petite structure dit, enfin, je n'ai plus de personne qui fait mon budget à ma place, qui organise mon agenda à ma place. C'était très difficile de ne pas tout caler en même temps. Oui, en fait, encore une fois, je pense qu'on reprend contact avec la réalité de son métier, celui qu'on a aimé à la base. Comment est-ce que vous gérez la pression, la charge mentale? On en revient au jeu. Pour moi, c'est pas. D'accord, donc vraiment le jeu, c'est Bah, je d'où vous pense. venez, c'est votre soupape. Oui, et encore une fois. En fait, souvent, on se met beaucoup la pression parce qu'on se dit, si je rate, tout va tomber à l'eau. Ou alors, et ça, c'est le pire, c'est les personnes qui ont du mal à dissocier leur personnalité du travail qu'ils effectuent. J'étais avec un collaborateur qui me disait ça, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, qui me disait, quand on me dit que je fais mal quelque chose, j'ai l'impression que c'est moi qui suis mauvais et ça me déprime pour la journée. Donc, il faut se forcer à prendre de la distance tout le temps. Oui, et dissocier les deux. Et encore une fois, quand on a l'habitude de faire ce rôle de bouclier, ça apprend beaucoup à prendre de la distance. On prend les fautes, oui, je sais, c'est pas bien fait, mais ce n'est pas moi qui suis remise en question, c'est quelque chose qu'on va travailler. Et vous, qui faites des feedbacks sur votre propre management? Alors, ben, je demande beaucoup à mes propres collaborateurs. Donc, une fois par mois, on a un rendez-vous qui est plus dédié à cet échange de feedback. Donc, je leur demande à eux, à mes pairs aussi. On a régulièrement des déjeuners, des choses comme ça, où on peut échanger des bonnes pratiques. Et en fait, ça se sent de façon informelle. Quand ils nous demandent d'aller partager une bonne pratique dans leur équipe, c'est qu'a priori, ils ont aimé quelque chose qu'on a fait. Et puis, bien évidemment, au-dessus, donc, mon manager, mais pas uniquement, mes mentors aussi. Et qu'est-ce qui est le plus dur quand on est entre deux niveaux hiérarchiques, on ne se sent pas un peu seul? Oui, et surtout, c'est difficile de savoir où est sa place. Je me souviens d'une époque où j'étais à la fois au CSE, donc au comité, enfin au CE, et au COMEX. Et c'est très difficile d'avoir cette double casquette de je suis décisionnaire, mais je ne suis pas contente de comment ça marche, mais je dois porter la voix de l'entreprise, mais je dis quand ça ne va pas. Et j'ai fini par arrêter parce que c'était totalement schizophrénique. Je suis COMEX, je reste COMEX. Et en fait, cette grande difficulté de quel est le message que j'ai le droit de partager et à qui? Je suis au courant de quelque chose d'important pour l'entreprise. Je ne sais pas comme par le passé, je sais que mon entreprise va se faire racheter. À qui j'en parle? Comment? Comment je prépare sans pouvoir en parler? Qui est dans la confidence, qui ne l'est pas? C'est très difficile. Et en cas de doute dans ces moments d'incertitude, qui étaient vos référents? Des personnes au sein de l'entreprise ou extérieures à l'entreprise? Extérieur. Donc c'est plutôt là, ça devient La personnel, communauté. c'est la communauté. Oui. Vous avez travaillé dans votre ancienne entreprise dans un environnement multiculturel, puisqu'elle était implantée dans différents pays. Quelles sortes de malentendus culturels surviennent? Énormément. En fait, j'avais des équipes qui étaient dans 6 pays en Europe avec des mentalités très différentes. J'avais des Espagnols et des Hollandais, par exemple. Il faut savoir que les Hollandais, quand ils font un feedback, c'est extrêmement cash et c'est très brutal. J'ai eu des Espagnols qui pleuraient d'un feedback eu par un Hollandais ou des Français qui me D'accord, c'est une disaient spécificité hollandaise, il faut le oui, savoir. totalement. Et à l'inverse, j'avais des Britanniques qui, eux, n'étaient pas capables de faire un feedback franc et qui se contentaient d'une Beaucoup de petite formes. phrase à la fin de la discussion pour exprimer vraiment le fond de leur pensée. Sauf qu'un Français, quand on lui dit ça, quand on lui dit tout va bien, mais il faudrait que tu améliores ça, il n'entend pas le mais il faudrait que tu améliores ça, il entend le tout va bien. Donc, les Français, on est quoi? On est au milieu. À peu près au milieu, oui, je dirais. Et donc, cas typique, comment vous y répondez? J'ai fait faire déjà des formations à tout le monde, j'ai fait venir des coachs qui expliquent ces différences culturelles et qui justement mettaient en scène des scènes de la vie quotidienne avec des personnes de différentes nationalités, de façon à ce que tout le monde puisse observer. Un exemple tout bête, on a fait justement un Néerlandais et un Français. Le Français devait faire un feedback au Néerlandais négatif et la même chose dans l'autre sens.
Ça fait rire toute la pièce, évidemment. Tout. Et en fait, juste par l'explication et par le fait de voir ce que c'est, ça a aidé. Donc ce training, on s'en est beaucoup, beaucoup C'est un peu servi après. dédramatiser la Oui. situation. Et vous, personnellement, comment vous vous adaptiez à vos interlocuteurs en fonction des pays? Alors, au-delà des pays, c'est même des personnalités. Je fais passer le disque, donc c'est des tests de personnalité, à tout le monde dans mon équipe. C'est pas du tout pour les cataloguer, mais ça permet de voir la façon dont parler avec eux. Un exemple tout bête, j'avais quelqu'un dans mon équipe qui était très ce qu'on appelle vert dans le disque, donc quelqu'un qui a beaucoup besoin de parler, de s'exprimer. Moi, au contraire, mon attention part très très vite, j'ai besoin qu'on me dise les choses de façon très concise. Donc lors de nos one-to-one, on passait les 10 premières minutes à répondre de façon concise à toutes mes questions, et les 50 autres minutes étaient dédiées à la personne pouvait me parler de tout ce qu'elle voulait. Donc j'étais contente, elle était contente, l'heure se passait bien. Et c'était la même chose d'un point de vue multiculturel. Quand un Hollandais faisait un feedback négatif, je ne le prenais pas mal, j'allais au contraire récupérer de l'information. Quand un Britannique ne faisait pas de feedback, j'allais creuser pour dire, au fait, tu veux dire quoi exactement? Et au sortir de ces ateliers sur le thème de la multiculturalité et de l'acceptation, est-ce que vous avez vu une évolution rapide? Les solutions ont été trouvées instantanément? Alors, c'est pas instantané, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les conflits restaient, mais les personnes comprenaient pourquoi elles étaient en conflit. Donc, elles le prenaient encore une fois moins à cœur et arrivaient à dissocier le perso du pro. Et elles prenaient la remarque pro sans que ça affecte le perso en disant, c'est pas contre moi, c'est un Hollandais, il est comme ça. J'aimerais aussi, parce que ça touche aussi au thème du télétravail, en ce moment Amazon rappelle ses équipes en télétravail, Ubisoft tente de faire pareil mais fait face à une grève. Pour vous, le télétravail, c'est quoi? C'est faire confiance, c'est responsabiliser? Comment vous envisagez la chose? Alors, j'avais un avis tranché que je commence à nuancer. À la base, mon avis, c'était on fait confiance aux gens, on les laisse travailler d'où ils veulent, ça importe peu. Mais en fait, l'expérience m'a montré que mine de rien, donc, parce que ça, encore une fois, c'était pas de recul, 6 mois après le Covid, on disait bah, tout va bien, on continue. Vous compris? Moi comprise, hein, clairement, j'étais en mode bon, on continue comme ça, en fait, je suis très bien chez moi, je fais ma lessive entre midi et deux, c'est parfait. Mais en fait, je me suis rendu compte que le lien social se perd. Il y a des entreprises qui réussissent à gérer ça très bien en ayant des temps sociaux dans l'entreprise qui sont distincts du temps de travail. Par exemple, des équipes de développeurs vont faire une semaine par trimestre, une semaine dans les locaux, tout le monde avec du social le soir, le midi, et vont réussir à maintenir cet esprit d'équipe qui va se déliter au fur et à mesure dans les 2 mois qui suivent, remettre un énorme coup de team building et reprendre. Mais la plupart des entreprises qui sont passées au télétravail n'ont pas cette culture de moments sociaux versus moments de travail, et ce lien social se délite très vite avec le télétravail uniquement. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, je suis plutôt partisane d'un modèle hybride. Encore une fois, le hybride, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 1 ou 2 jours par semaine au bureau obligatoire ensemble. Ça C'est peut ce qui est être imposé aujourd'hui chez vous? aujourd'hui chez SkillUp, selon l'équipe, donc les équipes qui sont face aux clients, on leur demande d'être là plus parce qu'elles échangent plus sur les problèmes de clients. Les équipes qui sont moins face aux clients, on leur demande d'être là moins. Donc pour être très clair, c'est 3 jours par semaine en présentiel pour les équipes qui sont face aux clients, 2 jours par semaine en présentiel pour les équipes qui ne sont pas face aux clients. Et en fait, je trouve que ça donne un bon équilibre. Les personnes réussissent à gérer leur vie perso sur les 2 à 3 jours à la maison sans aucun problème, mais on garde cette connexion très forte. Et globalement, ça a été bien accepté? Ça a été très bien accepté, puisqu'en fait, quand on recrutait les personnes, c'est vraiment ce qu'on leur disait. C'est voilà le modèle. Mais pour ceux qui passaient de l'ancien modèle à full télétravail, j'imagine, à partiellement, ça a été plutôt bien Ça a accepté et été ils en voient accepté. les effets positifs Oui. aujourd'hui? Oui, parce qu'encore une fois, c'est une entreprise qui a beaucoup une culture de l'oral. Je suis dans une start-up, donc on est toujours en train de grossir, toujours en train de courir, on ne prend pas forcément le temps de tout bien documenter. Quelqu'un qui n'est pas là se rend vite compte qu'il passe à côté d'énormément d'informations et c'est incitatif. Aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, c'est des incitations sans obligation. Par exemple, le Qu'est-ce que c'est? troisième jeudi du mois, il y a une soirée payée par l'entreprise. Donc tu n'es pas obligé de venir, mais si tu veux venir profiter de cette soirée, bah, tu seras au bureau ce Et ça jour-là. marche. Ça marche pas mal. Et comment on fait pour gérer la motivation à distance? Alors, pendant le Covid, j'ai fait des choses assez marrantes. Je me rappelle notamment d'une fois où j'avais fait livrer de la pâte à modeler chez tous les collaborateurs. On avait fait un concours de fabrication de Baby Yoda en pâte à modeler. Donc, c'était en Sur le fait temps de travail. sur le temps de travail où on avait fait 1 heure de comparaison, on avait voté. Mais en fait, c'était encore une fois une façon de retrouver du lien social d'une façon ou d'une autre dans le télétravail. Pour la partie motivation, donc je vais Motivation, mettre ouais. à part vraiment la partie sociale, mais vraiment juste garder la personne motivée, bah, c'est un management par objectif. En vrai, si on est totalement honnête, si mon collaborateur arrive à faire toute sa semaine de travail en 3 jours, eh bien c'est tant pis pour moi. C'est moi qui ai mal jugé sa charge de travail et qui lui permet d'avoir 2 jours où il peut faire n'importe quoi. Mais on connaît la charge de Ça, faut travail. le reconnaître. Oui, non mais enfin, tant mieux pour lui, tant pis pour moi. C'est moi qui ai très mal géré. Mais je sais la charge de travail qu'ils peuvent gérer en une semaine.
Au pire, si j'ai un doute, encore une fois, la communauté, toi, ton content, il produit combien par semaine? Ok, bon. Et une fois qu'on sait ce volume, bah, la personne s'organise comme elle veut. Et en fait, la motivation, je pense, réside dans la confiance, où ils savent que justement, s'ils finissent tôt, bah, tant mieux pour eux. Que si le contenu est produit à temps, bah, tant mieux pour eux. Et au final, je me rends compte que l'équipe est beaucoup plus productive, puisqu'on manage par l'objectif, par la charge de travail attendue, et pas par l'horaire. Et en vrai, souvent, ils font plus d'heures qu'ils ne devraient. In fine, c'est plus difficile de gérer une grosse équipe comprenant des managers ou une petite équipe sans manager. C'est très différent. Oui. C'est vraiment très différent. La difficulté d'une petite équipe, vraiment principale, c'est de réussir à faire grandir tout le monde et à apporter son attention de façon égale à chaque personne. Pourquoi c'est plus difficile avec une petite équipe? C'est Parce qu'il y a la paradoxal. proximité. Parce qu'il y a la proximité. Donc, si on passe plus de temps avec quelqu'un parce qu'on est assis à côté au bureau, en fait, la différence de temps d'attention est énorme tout de suite. Alors que lorsqu'on manage des managers, eux savent, donc eux vont venir réclamer leur égalité de temps de traitement. La difficulté avec quand on est manager de manager, c'est la distance. Donc j'avais des équipes dans 6 pays, donc je passais mon temps chaque semaine à faire 2 jours par pays. Et là, la difficulté, c'était je ne sais plus ce qui se passe avec toi. Je ne sais plus où t'en es. Et du coup, j'estime que ce n'est pas important. Donc c'est vraiment la distance. Et de l'autre côté, c'est vraiment faire grandir tout le monde de façon Et à équivalente. contrario, qu'est-ce qui peut être satisfaisant d'un côté et de l'autre? Dans la petite équipe, ce qui est satisfaisant, bah, c'est le corollaire. C'est qu'en fait, de voir vraiment grandir des gens pour de vrai sur des tâches opérationnelles et concrètes. C'est beaucoup plus facile de faire grandir un opérationnel qu'un manager. Et à l'inverse, ce qui était satisfaisant, c'était toute la partie stratégique. Être capable de pouvoir porter une vision beaucoup plus loin, parce que plus de moyens, des équipes plus conséquentes, des personnes qui sont aussi bah, staffées et plus câblées, puisqu'elles sont déjà managers. Donc on peut les emmener très très loin dans la réflexion. Et j'aimerais, c'est déjà la fin, Selma, qu'on finisse par votre définition de votre style de management. Alors, on va dire, il y a 3 grands aspects qui importent énormément pour moi dans un manager. La première chose, c'est que le collab ne se sente jamais seul. J'ai comme règle d'être toujours 5 minutes en retard à toutes mes réunions parce qu'en fait, je prends 5 minutes pour répondre, même d'un mot, un oui, un peut-être, un je sais pas, aux demandes des collabs. Parce qu'encore une fois, ils ne sont pas tout seuls, ils ne vont pas attendre toute la journée une réponse. Donc ça, c'est très important pour moi. La deuxième chose, c'est faire grandir. C'est vraiment ce côté de je ne vais pas résoudre ton problème, mais je vais t'écouter et tu vas le résoudre tout seul comme un grand. Et le dernier, c'est toujours donner une vision. Enfin, ne pas dire je te donne une mission. C'est je te donne une mission parce que voilà ce qu'on veut faire. Ça pousse tout le monde vers ce côté stratégique, vers le haut. Et je trouve que ça donne une profondeur, une dimension à n'importe quel travail. Voilà. Donc si on peut dire, moi, franchement, c'est le manager qui veut se rendre inutile. Donc. Super, très bien. Merci beaucoup Selma Chauvin pour cet échange et pour ces conseils Pas de pratiques. Pour le soucis. coup, on était dans le concret et c'est exactement ce qu'on voulait. Très Merci bien. beaucoup et quant à moi, je vous dis à bientôt dans Manager l'Odyssée.